à tous, c'est Damezou sur Open Versailles 4 avec Tunis en guerre contre l'Écosse et la Castille. Bon, globalement, on domine bien. Bon, la Castille, ils ont quand même une sacrée lutte bien. Hein. On est à 100 000 morts du haut fait, enfin, du succès, parce qu'on va l'avoir ce succès. Donc, on n'a pas fini d'attaquer. Il y aura encore plein de batailles. Eux, il faut surtout qu'ils arrivent à se replier. Cassez-vous de là à la vitesse de la lumière, tout ce que je vous demande. Quoique. Fuyez vers Milan en fait. Non, 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 on fuit plus vers Milan, on va à 31, on sera bien à 31. Là, on a continué le déploiement. Donc, n'importe où on ira, là, il y aura un combat. L'Écosse est sous mon contrôle. L'objectif de guerre, on est à combien? On est que à 10, je peux prendre 14 points encore. J'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'il soit si long. Ah, ça on fera pas. Allez les mecs, faut frapper. Ils tentent Venise. C'est quoi le trajet? Ah ouais, toi t'écoutes, toi franchement tu t'es dit je fais tout du monde pour ça. Je suis sûr le général il aura que ça à foutre. Ah, on va repositionner un peu plus. Je crois qu'il y a plein d'entre. J'ai beaucoup trop de navires qui doivent glander sur toute la carte. À 68, on est passé à 76, on peut faire beaucoup mieux. Oula, par contre, ils sont combien là? 44 000, on est sur un zéro. Et je suis à moins de. C'est plus prudent qu'on annule cette attaque tranquillement. Vous êtes en infériorité numérique, pas de soucis. Je vais juste vous ramener un peu plus de monde. Il y a des forts qui les arrêtent de partout, donc on n'est pas inquiet. Voilà, vous ramenez ces troupes-là en plus, ça nous ira très bien. De toute façon, en théorie, ils vont devoir se reconcentrer sur la France. La bataille avec un moins 1 sans commandant le 25. J'avoue que ça va être chaud là parce que j'ai quand même 150 000 hommes derrière. J'envoie juste de quoi éviter la destruction. Ah, c'est vraiment, j'ai juste envie de mourir une destruction de mon armée. Parce qu'il y aura un repli directement sur le Languedoc pour longtemps. En fait, il n'y a aucune armée qui s'est repliée là où j'ai demandé, mec. Hein, toi, je pense que tu vas tenter Mantoue, ou qu'on va être bloqué sur Mantoue. Par contre, la mec, je te prends un peu en dieu là. Je pense quand même pas que je vais te laisser intercepter mon armée. Bon, c'est vrai que t'es chrétien. Mais il y a des limites. Ça y est, ils ont la technologie suivante. Alors, l'armée arrive le 12 juin, 11 juin, 8 juin, 5 juin. Ils auront un comité. On aura un comité d'accueil. Je voulais tout un comité d'accueil, les mecs.
ça va être The Battle. Véron. Quand j'ai vu une défaite éclair comme ça, j'ai eu très peur. Ils en font venir 120 000. Ah tiens, là, je les ai chopés. Bataille de Mantoue, elle a été gagnée. Ils sont en train d'évacuer, il n'y a pas de souci. Là, ici, on... Ah, Languedoc. C'est une magnifique victoire. Bah, position, on va y aller avec tout ce monde-là. Toi, tu me commences le constant à machin. Tu me commences, c'est là. Pour savoir ça. Oh là, on est vachement loin. Moi qui me disais qu'avec de la chance, on pourrait. Faites cette attaque là-haut. Non, non, non. J'ai pas décidé d'accepter ça. En position ici. Position 3 pour les regards. Pardon. Et c'est quand même, ils sont pas faciles à sortir de la guerre, les Castillons. Enfin, sortir de la guerre, si j'aurais réussi. Sauf que moi, je veux faire plus que sortir de la guerre. Je veux les. J'ai envie de leur dépouiller beaucoup de choses. Une première victoire à 31. Avant tout. Oh punaise. Le Poitou. Ah, il y a une armée qui est sortie du Poitou. Du coup, toi, tu vas te positionner là. Toi, tu vas te positionner là. On va certainement pouvoir les choper. Les oulémas, les émirs, c'est possible qu'on puisse faire plein de choses. Non, c'est un ministre, c'est pas intéressant, c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Hop, on peut continuer. La bataille de Tyrol, on l'a gagnée sans problème. T'es sérieux là? Tu débarques dans combien de temps? Ça, on va pas la prendre tout de suite cette bataille, on va être prudent. Hein. Regroupez-vous ici, est-ce que c'est qu'un bois? 100 000 hommes ici, je pense pas que ce soit l'idée du siècle. Regroupez-vous ici. Là, on a un manque de canons, tu vas hériter de la moitié de ces canons-là. Derrière, tu vas te replier ici. Et ici, non, c'est plutôt les 18 qui sont là qui vont se replier. Vous allez attendre à Narbonne. Regroupez-vous plutôt par là. J'avoue qu'il tente. Ah, il tente quand même, le mec. Il tente un passage sur 100 000 à Tyrol. Ah oui, là, j'avoue que là, tu tentes beaucoup. Bon, je suis désolé à Ir, mais j'ai pas les moyens de m'occuper de vous. Enfin si, je les aurais eu, mais une guerre c'est organisé. Alors laissez-nous nous organiser. Là on perd la guerre. Là on a encore des troupes par-ci, des troupes par-là. Ce qui compte c'est que ce territoire-là est toujours occupé. Je peux encore gagner combien? 11 points. C'est très long, mais ça monte. On va à Mantoue, puis on va frapper à Novare. 1 plus 3 pas cher, ça me va. J'ai pas regardé la culture ni la religion. J'espère que ce sera bon. Boum. Et boum. Encore. On attaque. Et bah ça y est, on l'a fait. Le million. Le million. Le million, le million. Attrition, on prend beaucoup plus, on a pris beaucoup plus cher qu'eux, alors qu'ils se sont déplacés avec des blocs que je trouvais beaucoup plus balèzes que les miens. Hein. Faut pas abuser. Vous allez tenter d'aller reprendre Venise.
Il est par là. Ah, il y a... Non, on attend le cadenas. Oh, la grippe. Il y a le cadenas. Qui est-ce que j'en dois défendre? C'est là. Tu remontes. Tu remontes aussi. Non, tu vas l'ouvrir dans le dock. Faut couvrir le contentat. Bon, là, ils ont été assassinés sans problème. 19, 17. Aïe aïe aïe, c'est-à-dire que la phase de feu elle va être bien, mais la phase de choc. Ok. L'infanterie est arrivée à temps, je veux dire, parce que derrière l'impact il allait faire très mal. On annule. Ok, il y a beaucoup d'armées qui sont venues en marche forcée. Toi tu vas te replier ici, toi tu vas te replier là, toi tu enlèves ta marche forcée, tu te recules ici. Vous allez passer côté Quercy, vous, on va frapper l'autre côté. Rien à faire. Cayenne, c'est à côté, c'est ça? Ouais, c'est à côté. Je m'en fous, j'ai pas à le gérer. Franchement, les. Ah, il y a une rébellion ici, mince. Ah, bon, par contre, là, si vous prenez cette bataille, on y va tout de suite, nous. 59 000 hommes en montagne, j'ai pas peur de me les taper. On va au Périgord. Attends, attends, ralentis, mec, ralentis. Voilà, on va se positionner tranquillement. C'est qui va se rebeller? Les Éthiopiens, il y a du monde chez eux. On attaque ici. Pour l'Armagnac. Attendez, j'ai vu une armée de canons. Ah oui, là, il y a 26 exclusivement des canons. C'est pas prudent de ma part. Ah, j'ai pas vu qu'il y en avait 133 000 derrière. Ok, donc malgré le terrain, c'est sûr qu'on va prendre très cher. Vous, vous allez tout de suite gagner un repli en 7 jours. Encore, on a fait un 9, ce qui est pas mal. Tu vas au Languedoc. Autant que tu te replies par là. Retourne en Auvergne. Putain, ils sont tous morts. Ah, j'avais rage. J'ai l'impression que le bloc des 100 000 derrière fait très mal. Bon, vous allez gérer ça rapidement. Prenez. Prenez celui-là. Passez par Guerre, vous prenez celui-là. On a gagné à Guyenne. Ce qu'il va falloir dire, c'est que vous, il va falloir que vous vous rappliquiez ici à vitesse grand V. Bataille au Languedoc. On vient encore quand même de leur mettre des petites défaites pas trop mal. Toi, je sais même pas où tu veux te replier comme ça. Non, ils sont... non, on va pas faire. Non, on n'est pas encore suicidaire. On va pas attaquer la montagne. Si on les chope ici, ce sera pas mal. Intercepter leur armée morte. Vous, vous me faites un regroupement ici. Vous êtes désespéré parce qu'en plus vous n'avez plus qu'un reste d'armée, j'avoue. Donc on va choper 3000 mecs ici. Par contre, à 150 000, vous pouvez attaquer là. Ça me fait pas peur. Modification d'impôt, j'ai pas envie. Je vais prendre ça. Je peux arriver le premier là-bas, donc je vais tenter.
Et après, il y aura la bataille au Poitou. Je les ai ratés. C'est pas possible. Donc là, on va aller des deux côtés. On peut pas les rater. Hein. Ok, vous, vous êtes regroupés. Trois petits groupes. On prend tout ça. Madrid, ils sont dans le rouge, là. La paix, il la signe à 97. Donc je vais bientôt commencer à simuler des paix. Il y a des renforts qui arrivent. Non, ils n'arrivent pas, mince. J'ai cliqué à côté. Allez, les renforts. Très cher. Voilà, faites-vous une pause parce que on est. Ah bon, bah là, il n'y a pas photo. Hein. On a vraiment épuisé le matériel. Hein. Je pense qu'au niveau des réserves, j'en ai plus. À Castille, on a 30 000. Là. Par contre, ils ont plus que 290 000 hommes sur le terrain. Eh ouais, hein. Au bout d'un moment, quand même, vous avez fini par fatiguer. C'est très bien. Du coup, je peux approcher le siège de le fort de Bourgogne. Alors, d'abord, si je discute exclusivement avec l'Écosse, j'aimerais que gentiment vous me concédiez l'Alaska, mais vous voulez pas me concéder l'Alaska, pourquoi? Parce que on a pris aucun fort là-bas, c'est dommage. Et là, votre Californie, c'est quoi précisément votre Californie, que je puisse voir ça? Non, c'était bien là. Ouais, tout à fait, c'est un peu ridicule, on va voir. Alors, déjà, une chose qui me faut importante, c'est ces deux-là. Il me faut la côte ici. Il va me falloir ça. Ah, ils veulent pas négocier. 88. Ok, ici je discute que avec la Castille, on est qu'à 33. Donc ils veulent m'en donner encore moins. Pas de soucis les mecs, vous allez voir que je suis d'attaque. On va pousser le score de guerre sans problème. Mettez-vous en position, on va attaquer sur ce fort là. Moi, il n'y a pas de souci. Dès que j'ai la confirmation que tu attaques ce fort, j'ai viré un chef quelque part. Mince, je ne sais pas où je l'ai viré. J'espère que j'ai pas fait une connerie. On est bloqué encore 8 points. Donc, autant vous dire qu'on n'a pas fini. Ah, mais j'ai la confirmation là. Le 9, le 14. Ça va être quand même en retard quoi qu'il arrive. On voit des renforts. Le charolais. Dès que vous êtes en position, on va certainement attaquer le charolais. Je pense qu'on sera assez nombreux là-bas. On va sur le charolais avec ça. On va se positionner sur l'Anjou. On pourrait attaquer Berry. Positionne-toi là. Je pense qu'on a une bonne ouverture pour Berry. Ah, le fort de la... bah oui, le fort de Bourgogne, c'est mon objectif avant toute chose. Tu m'enlèves ça, tu m'enlèves ça. Tu me divises ça par deux, tu prends position dessus. Ça, vous vous divisez par deux. Une armée à côté, ça devrait suffire. Vous, vous allez à Berry. Je t'ai dit non, je suis occupé. Vous m'enlevez une grosse partie de l'infanterie.
J'envoie la moitié de tes canons. C'est parti. Il me semble que j'ai repris les troupes il y a pas longtemps. Oui, 38. Je ne ferai plus jamais. ce sera certainement les deux derniers forts qu'on ira prendre. Donc, autant y mettre les moyens. Plus vite ils tomberont, mieux ce sera. Toi, j'aimerais que tu aies un chef. Je peux améliorer des provinces. Celle-là, elle est pas mal. Deux. Hop là, 40. Limite de la bateau. Vous, va falloir remonter aussi. Il me reste combien d'hommes officiellement sur le terrain? Il m'en reste 520 000. Et j'ai un trou de... Ouh, je commence à avoir un vrai trou de troupes, là. C'est pas rassurant. Là, il y a une possibilité d'assaut. Est-ce qu'il ira au bout de l'assaut? Il va au bout de l'assaut. Allez, vous me défendez cette position-là. On se coupe en deux. Vous allez vous positionner par là. On va défendre le Charolais, il n'y a pas de souci. Voilà, Charolais, c'est défendu. Vous pouvez vous replier là. Vous reprenez le fort. On est bien. Tu es combien le 17 août? On y est tous avant. C'est parfait. Du coup, tu es le 23 août. 23 août, je te mets des canons en renfort. Ah, mais en fait, t'as déjà des canons. Ce qui te manque, c'était les cavaleries. Parfait, on avance. On va abandonner Anjou. Vous passez côté Charolais. Il va prendre Venise, rien n'est ciré. Venise, je te l'offre si tu veux. Vous, en fait, vous passez côté Charolais, puis vous aussi. Parce qu'on s'attend à une bataille massive ici. Ils sont là le 31. Cette armée-là, tu vas me défendre. Cette armée-là, tu vas y aller. Cette armée-là, tu vas y aller aussi. Ah bah là, franchement, je pense qu'on en est parti pour le trophée des 2 millions de morts dans chaque camp. Hein. 1 million 8, 1 million 4. Ah mais la Castille, c'est un sacré adversaire. Hein. Ah, en plus, on s'est fait déchirer au niveau des pertes. Tu vas directement positionner là. Toi, tu vas me quitter. Tu vas le quitter. Tu vas renforcer là. Tu vas aller en dessous aussi. Toi, je t'envoie là-bas. Ça devrait nous permettre de respirer un tout petit peu. Parce que l'attrition, mon Dieu, ce qu'on est en train de prendre là. Ah! Ah mince, ça là j'ai pas vu venir par contre. Il y avait une deuxième armée derrière. En attrition. Ah ouais, en attrition ils prennent beaucoup moins que nous. Bon, en même temps on est chez eux, c'est sûr qu'on prend beaucoup moins de dégâts. Il y a moyen que t'aies un chef toi, donc allez récupérer Venise. Du coup, j'ai l'accès à 60 de développement l'île de France. Bon, le 3 étoiles, je veux un 3 étoiles, je veux le général 3 étoiles. C'est pas tout. On appuie toi ici. Toi à côté, appuie toi par là. Le 3 étoiles, tu vas aller par là. Et toi, tu vas aller à Mantoue, à Nemours. On va aller... On va les mecs, là, il n'y a pas photo. Situation de crise, je vous fais tous en haut.
Mince, on s'est fait intercepter, j'ai eu peur. Y'a personne qui peut y être. Personne ne peut y être à temps. Le regroupement sera plutôt ici. Toi, tu prépares ton repli. Je suis même pas sûr que tu vas te replier. Je crois que t'as quand même du moral, hein. Ce mouvement-là, il prend combien de temps? 7 jours. Non, trop dangereux. Je pense qu'il vaut mieux calculer sur un repli tranquille, sans se stresser, et faire une remontée dans ta figure. Ce sera peut-être pas élégant, mais ce sera efficace. Et puis, il devrait être gentil et il devrait nous calculer à l'avance combien de temps ça prendra. Donc l'armée qui est là, elle est juste pour toi. Je te l'offre avec de bon cœur. Les renforts, ils arrivent derrière, t'inquiète pas. Et les renforts, ils continuent d'arriver. Ouh, un inquisiteur qui est mort. Et derrière, il me semble que je vois quand même beaucoup de renforts qui arrivent. Ça va peut-être pas être une victoire haut la main. L'inquisiteur, je peux pas m'en servir. Je pourrais prendre lui, mais sauf que si je prends lui maintenant, ça va être catastrophique pour mon... On est peut-être un pas cher en ce moment en stock. Parfait. Allez, il y aura moins d'agitation dans le pays. Je sais pas s'il y en avait. Attends, il est peut-être pas génial. Ouais, de toute façon, il est... officiellement, là, j'ai toutes mes troupes au combat. Donc, si cette bataille, on la passe pas, j'ai plus d'infanterie. Ouais. Bon, de toute façon, j'ai plus d'infanterie. Donc, si ça passe, ça casse maintenant. On s'est fait assassiner. Deux points de score de guerre, ça a coûté ça. Bon, je refais ma demande. C'était ça, 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 ça. Ah ! Pourquoi tu veux pas ? C'est quelle province qui coûte beaucoup ? Le Languedoc, est-ce que c'est vraiment important que je le prenne ? Bon, allez, j'ai bon, je vais me contenter de ça. Bah, regarde, les principaux pays, j'ai fini la guerre avec eux, donc ça ira. Réparation de guerre, tu veux pas me les donner? Tu veux me concéder la Californie, ça me fera plaisir, youpi. Sincèrement, non. Je veux pas avoir d'ennui. Voilà, on signe sur ça. Seigneur aux 4 veines, mais tu m'étonnes qu'on s'est saigné aux 4 veines. 1 200 000 combattants morts au combat, et de leur côté, on est à 1 800 000. Ah, par contre, nous, on a perdu. On a perdu 300 navires, ils en ont perdu 147. Oh là là. Mais là, on aura quand même mis un coup dans cette guerre faramineux. Passage, j'ai pas regardé si on était bien. Ouais, ça, ça, je peux pas le faire, je peux pas le payer maintenant. Les oulémas qui veulent un terrain. Les mecs, quand même, un peu de patience. On faisait la guerre il y a pas longtemps encore. Alors, le positionnement des bateaux maintenant. Ça, c'est tout ça, c'est les trois ponts. Je suis passé à 100 000 marins. Il n'y a pas longtemps, j'avais pas de marins. Alors, comme on dit, tous les bateaux, on va tous vous relancer. Il n'y en a plus un seul qui sera en sécurité au cas. Donc
Je finis par revoir la gestion de ma flotte. Parce que là, on va en lancer des navires. Avec la quantité de navires que j'ai qui glandaient à quai, ça fait mal au cœur. Donc, protéger le commerce de Gênes. Protéger le commerce de Gênes. Je compte combien des flottes qui glandent. Zanzibar. 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 J'ai vu faire ça tout de suite et je vais bloquer beaucoup Zanzibar. Malaka, faut varier un petit peu. Vous, ça va être Caraïbes. Franchement, je te mets où? Alep. Malaka, tu mériterais bien que je t'en mette, hein, que je mette plus de monde. Si simplement j'avais un marchand, je l'aurais mis ici. Au Côte d'Ivoire, au fait. Il faut du monde en Côte d'Ivoire, là. Quoique tout ce monde-là, en fait, là, c'est... C'est sur la Manche, ouais, donc il faut du monde en Côte d'Ivoire. En fait, ça c'est dès que ça vise les États, dès que ça vise le continent américain, ça bug. Vous allez protéger Panama. Je mets des navires sur Panama. Comme si j'avais que ça à faire. C'est pas plus. C'est Panama, vous êtes sûr? Je suis encore à, je souffre encore d'aveugle. D'aveugleritisme. Voilà, Panama, c'est fait. Le Mexique pour en nécessiter. Là, ici, ça distribue plutôt bien. Si je pouvais, j'en aurais mis un marchand à Raguse. Non, pratique pas la course. Va à Alep. Ah, au fait, pendant que j'y pense, il y a une espèce de coalition qui se forme contre moi. Si tu pouvais être gentil et te mettre devant. Pareil que tu seras très serviable de le faire. Fleuve Mississippi. Bon, ensuite, tout ce qui reste, surtout, c'est des navires de guerre. Tous les navires de guerre, vous mettez en position. À Tunis. Ça c'est que du navire de guerre à Tunis. Ah, même la flotte de guerre au final à la fin elle n'a pas du tout la même gueule. Toi tu fourris. C'est lesquels? C'est ces deux là, ils foutent rien. Ils sont mobilisés. Toi t'es où? Tu fous rien, tu vas à Tunis. Bon ben voilà, tout le monde est en action. Alicante, Soutamani, j'ai pas à m'en occuper. Donc il faut patienter que mes troupes... hop là, je sais pas pourquoi, j'ai rajouté l'ottoman, ils se sont tous calmés. On va attendre que tous les navires soient réellement en cap... Oh, un trou de 200. Ah, je pense que la bataille finale,
Niveau effectif, elle en aura pour. Voilà, et je pense qu'on se retrouvera certainement demain pour la dernière épisode où je vais juste essayer de faire des Ofekiku qui servent à rien. Merci de m'avoir suivi, ciao ciao.